Richard, il m'a frappé. À quelle heure? Dans les environs de 19h. Et quelle est l'histoire? C'est quoi? Pourquoi il t'a frappé? Pourquoi il m'a frappé? C'est à propos du fagot de ma femme Dula, que lui ne veut pas voir, qu'il a déjà blessé aussi. Avec, comment dire, un tabouret. Donc il allait couper un, madame a mis des fétiches sur là, j'ai dit non. Il allait couper deuxième. Moi-même, j'ai intervenu. Il dit si je suis garçon, c'est maintenant qu'il va couper. Il allait couper troisième, c'est ça, j'ai pris le rameau de palmier, j'ai peigné et j'ai mis dessus. Que ce fagot-là ne bougera pas. Si tu ne m'as pas tué, ce fagot ne bouge pas. Je dis d'accord, à voir. Il vient, il me trouve sur, la, sur mon appartement là-bas. Il prend ma pomme, il prend mon igname, et puis quelque chose encore là. Trois choses. Et puis il prend la fille. Je ne peux pas courir. J'ai pris mon vélo, j'ai passé devant lui. Je suis allé barrer sur la rue. Il m'a trouvé là. En venant, il a sa manchette en ligne. Quand il a trouvé là, j'ai dit, monsieur, tu ne bouges pas, tu ne bouges pas. J'ai dit ma mort aujourd'hui. Voilà, remets-moi ma pompe, remets-moi mes matériels. C'est dans donner les trucs là, lui veut passer par force. Bon, là, ça ne chauffait pas encore. On a Koutou-Koutou là. Et il y avait un côté de camion là. Je suis allé rentrer dedans, puis aller cogner mon genou à terre encore de nouveau. C'est là qu'il m'a eu. Sans un cocotier, un cacaoyer, il me tirait. Viens ici, tu dis tes garçons, aujourd'hui je t'ai montré qui je suis. Il me tirait en force même. Oui! Mais quand ce n'était pas mes pieds, il ne m'a pas eu. J'ai pris le petit cacaoyer là en main dure. Il tire. Ça ne va pas. Il tire. Si c'est les pieds là, ça peut relâcher. Mais quand je ne peux pas tenir debout pour t'attaquer, tu as raison. Tu as raison. Ce n'est pas moi qui t'ai mis au monde. Mais on verra la suite. Alors tout mon mal qu'il m'a fait. Et puis vous, l'assemblée qui est ici. Un enfant frappé son père. L'assemblée. Et tu. C'est comme ça que tu l'as mis dans la niche. Oui. Il faut bien expliquer. À quelle heure de la nuit, tu as trouvé quoi et tout ça? C'est quand je me suis débrouillé jusqu'à 23h, je suis arrivé à la maison. Madame m'a donné manger. Je dis, je mange ça. L'homme a dit là, mais là. Mais que c'est pas, je dis, ouais, si tu me donnes de là, mais là, je vais t'expliquer. Il a donné de l'eau. Je dis, va appeler mon petit frère. Elle allait appeler mon petit frère. Mon petit frère n'était pas à la maison. Donc, on va manger la maison. J'ai mangé, allons à la maison. Là, on allait à la maison, et dit, voilà ce que Simon m'a fait. Mon petit frère dit, bon, c'est un matin à voir ça. Jusqu'à, on lui a dit d'envoyer poulet pour pardonner ton papa, tant en temps, ça fait trois jours, zéro. Le quatrième jour, j'ai dit, ah tiens, je vais voir notre longueur, qui serait plus haut que son ami. C'est passé quand? Hein? C'est passé à quel moment? C'est dans les environs de deux ans. Dans quelle année? Hein? Quelle année? C'était dans ces... Cette année-là? Ou l'année dernière? Ça fait trois ans de cela. Et pourtant, tu nous disais qu'on t'avait arraché ton fils. J'ai dit, non, pas plus, c'est pas, j'ai entendu parler, ah, j'ai bien sous vous. Ah, d'accord. Ah, d'accord. C'est ça, tout est bouclé. Tout est fermé sur toi. C'est où? C'est vrai que papa, mais moi, je vais faire attaquer ses frères. Ah, il attaque. Comment? Moi, oh, ma femme, oh, ses frères, oh. Même si Mathieu était là, il allait répondre. Un, deux, ta mère va. Je ne connais pas qui est ici. C'est son oncle qui était ici avant-hier. Un, deux. On va faire la délivrance aujourd'hui. C'est ce que je cherchais. Hein? C'est obligé de chercher ça. En fait, ta délivrance aujourd'hui, il faut bien réfléchir, ok? D'autres détails, tu peux encore dire d'autres détails. Quitte ici, tu as gardé des choses dans le cœur. Non, je n'ai plus rien gardé. Et puis, tu ne dis pas tout. Moi-même, il y a quelque chose que je fais. Quand tu arrives à la maison, tes deux pions sont cassés. D'accord. Hein? Je vous remercie. Tu as bien réfléchi. C'est ce pouvoir que je cherche même. Quel pouvoir tu cherches? Pour m'emprisonner, m'encadrer, de me placer, comment dire, changer des bêtes pour
fait nuire la vie des gens. T'amener sous la terre, c'est pour moi le message. Oui, c'est moi, je répète, c'est moi qui ai voulu cela. Pourquoi on dit, ah, je suis rassasié, on ne dit pas qu'il est rassasié. C'est moi qui écoute mon couteau, je mets dans ma bouche, je dis, ah, je suis rassasié. Ici que j'ai cherché un pouvoir pour m'entourer, pour ne pas que je puisse rentrer encore dans ce groupe. Hein? Et m'amener maintenant à la vie moderne du Saint-Esprit, que tout le monde poursuit, et je les vois construire des belles villas de temps en temps, à 72 ans que je n'ai même pas de maison. Mais à ce moment-là, j'ai droit à mourir forcément. Mais cette pratique de sorcellerie, là, tu n'as pas de maison. Tu n'as pas de maison. Et pourquoi? Parce que je n'ai pas de propre terrain. Ah, mais rien. C'est sorcier.